Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, retour sur la Citroën Xara pour la rénovation. Donc, on va pouvoir entamer les premiers travaux sur la voiture. Donc, on va commencer par refaire le. On va regarder le problème de vitre électrique, ce qu'il en est, de rétroviseur, puisque je rappelle que c'est non fonctionnel. Là, j'ai juste enlevé le cache plastique qui recouvre le rétroviseur passager. Donc, pour rappel, donc là, si je mets le contact, donc là que le contact est mis. Le lève-vitre déconne en fait, et c'est les pattes qui a priori sont les pattes qui sont cassées, et le rétro est totalement non fonctionnel. Donc on va pouvoir regarder ce qui s'y passe. Donc il va falloir démonter le panneau de porte et puis ensuite ôter le mécanisme. Donc le moteur marche, mais le mécanisme a l'air d'être HS au niveau de ses câblages. Donc ça, c'est un mécanisme de vitre de Citroën Xara. Donc là, c'est le moteur de la vitre électrique. Ça, c'est les systèmes de câbles avec les rails. Il y en a un qui est à l'opposé d'un autre. Et donc ça, c'est la partie haute avec le petit téton en plastique blanc qui se fixe donc sur la vitre ici même. Et du coup, une fois que la vitre est enclenchée dans le mécanisme, le moteur fait bouger les câbles en haut et en bas. Et du coup, vous avez votre vitre qui monte et qui descend. Ça, c'est assez classique. Et derrière, on a le rétroviseur avec la fiche. Le panneau de porte de Xara est facile et pas très compliqué à enlever. Là, vous avez la grille de haut-parleur. Là, vous avez un cache en plastique rond pour la poignée de porte qui vient comme ça. Tac. Donc ça c'est clipsé le cache haut-parleur. Ensuite, vous avez quatre vis qui tiennent le haut-parleur en torx. Vous enlevez ces quatre vis-là, vous enlevez votre haut-parleur. Vous avez ici et ici, au niveau de la poignée de maintien de la vitre, vous avez deux vis pareil torx un peu longues comme ça. Ça doit être du Torx 30, je pense, ou 40. Et ensuite, vous avez deux vis qui tiennent autour du haut-parleur, tac, tac, qui doivent être du 20 comme le haut-parleur. Et ensuite, donc, le panneau de porte est clipsé à différents endroits. Là, vous tombez sur une feuille de protection d'isolation, d'humidité, comment ça s'appelle, de bruit. Donc, il faut essayer de dégager ça pour avoir accès au mécanisme de vitre, pour se rendre compte de savoir ce qu'il y a ou pas. Trois vis de fixation qui tiennent le rétroviseur et les caches en plastique également. Donc là, pour le coup, on va récupérer la coquille de rétro et puis on va la refaire, on va la repeindre. On a commandé la peinture hein, parce que là on voit qu'elle est dégueulasse. Donc j'ai voulu m'attaquer au champion du monde qui m'a fait ce truc là. Franchement, c'est extraordinaire, je sais même pas ce que c'est. Cette espèce de grosse pâte épaisse. Franchement, je sais pas si le mec qui a fait ça, il va regarder la vidéo un jour. Mais franchement, chapeau mec. Donc je sais pas, on va se battre pour décrocher cette merde super épaisse qu'il y a partout sur la peinture et sur la vitre de la bagnole. Plus l'espèce de mastic de salle de bain tout sec. Voilà, on va s'amuser, on va faire ça. Mais franchement, champion. Donc voilà nos deux mécanismes de vitre de Xara. Celui que je viens d'enlever là côté passager sur la voiture. La,
Donc ce qu'on peut constater, c'est que les câbles pour monter et descendre la fenêtre sont complètement détendus. C'est ce qui cause la majorité du temps la casse des lave-vitres électriques sur les voitures modernes. C'est la qualité des câbles ou le poids de la fenêtre qui fait que le moteur entraîne trop vite ou pas assez vite et du coup soit ça casse les câbles, soit ça les détend. Là en l'occurrence ils sont complètement détendus même jusqu'au bout. Donc ça c'est la partie qui se fixe sur la fenêtre. Et donc ça c'est la deuxième cause de casse, mais pour moi la numéro un c'est ça, c'est les câbles qui se détendent. Là on peut voir, alors même si c'est un moteur d'occasion, il est beaucoup plus compact et les câbles sont encore dans l'enlargement, ils sont pas détendus. Donc voilà, on va remonter ce système de vitres en espérant que le moteur électrique soit fonctionnel. Donc je vais pouvoir remettre en place le lève-vitre ainsi que le rétroviseur. Et je vais en profiter également pour changer le joint qui vient dans la porte, qui vient à ce niveau-là, puisque ça avait il n'avait pas supporté les espèces de grosses traces de colle que je vous ai déjà montré. Il était vraiment dégueulasse. Donc j'avais tout mis à nu et puis là je vais pouvoir tout remonter, donc l'ensemble des joints et la vitre et le rétroviseur. Donc le joint c'est pas compliqué, hein, c'est juste le clipser dedans. Faut que je le clipse dans la porte, mais bon, ça c'est pas très compliqué. Donc le principe, une fois que vous avez réussi à rentrer votre mécanisme de vitre à l'intérieur de la porte, donc c'est un espèce de jeu de contorsion pour faire passer le moteur, les câbles à l'endroit où ça passe à l'origine. Donc il y a plein de petits crochets comme ça et un trou à côté. Donc il y en a différents, il y en a un là, il y en a un là. Il y en a 5 au total des rivets, puisque c'est des rivets qui tiennent le mécanisme de vitre. Donc là où il y a des trous au niveau des points de fixation, on va fixer des rivets pour plus que le moteur de vitre et le mécanisme de vitre bougent. Et en dernier, on mettra la vitre et le mécanisme sera changé. Ensuite, il faudra simplement remonter tous les éléments, le panneau de porte, le haut-parleur, etc. Mettre un coup de propre, enfin voilà. Des petites choses qui restera à faire. Et pour monter la vitre, les deux espèces de loquet blanc comme ça, là celui-là il est un peu plus visible, avec un espèce de crochet qui est là. Pour la vitre, vous avez deux petits trous, un devant, un derrière, qui se mettent dans les petites encoches. Et puis une fois que ça s'est posé, votre vitre elle bouge plus et le mécanisme et le moteur font leur travail à partir du moment où vous appuyez sur le bouton du tableau de bord. Voilà. Donc n'oubliez pas de remettre la protection isolante en plastique, même si elle est un peu abîmée comme la mienne, vous la scotchez au pire, hein, avec du scotch assez solide. Donc ça y est, le mécanisme est remis avec la fenêtre. Là, il faut que je fixe le rétroviseur. J'ai fixé déjà la poignée de porte et également le haut-parleur avant de pouvoir remettre le panneau de porte complet. Donc ça y est, la vitre est enfin montée après un mois pour avoir un moteur de lève-vitre sur la Xara 3 portes. Confinement oblige, ça y est, les pièces sont remontées, ça fonctionne, pas de souci. Le rétro, c'est pareil, j'ai pas enlevé le scotch, mais là, si je le mets pas du bon côté, tac, on voit que ça tourne. S'occuper d'essayer de débosseler au mieux la voiture sur cette aile arrière gauche, arrière droite, pardon. Et du coup, j'ai acheté un système comme ça, là je ne l'ai pas déballé, je vais voir ce que ça donne. A priori, c'est deux petites ventouses qui se collent en haut et en bas, avec une qui permettent de fixer l'appareil, une ventouse centrale avec une espèce de poignée à visser, dévisser pour pouvoir éventuellement sortir les bosses. Plus une ventouse plus traditionnelle, plus connue, que j'ai depuis des années, qui m'a sorti de pas mal de galères. Donc ça c'est plutôt pour ça c'est plutôt pour les grosses bosses et j'ai trouvé ça là pour pas cher, pour 15-20 €. Donc ça va me permettre d'essayer de voir ce que ça donne. Donc quelques détails sont encore à revoir, notamment cette espèce de pli que je vais essayer de récupérer. Maintenant c'est nettement mieux que ce que c'était.
J'essaie de prendre dans tous les angles, mais c'est pas évident. Qui reste surtout un pli. Après, c'est des petites bosses comme ici qui étaient déjà présentes. En tout cas, la grosse bosse n'est plus. Il y a surtout du détail à récupérer qu'on va continuer un petit peu plus tard, certainement en démontant le panneau de porte intérieur. Mais ça, on va entamer ça une autre fois. Voilà, mais bon, ça prend une bonne tournure. Donc après avoir remonté le système de vitre, il me reste juste donc à repeindre la coquille de rétroviseur. Donc ça, on fera ça un peu plus tard. On va procéder donc au remplacement de la calandre de la voiture. J'ai eu la chance d'en trouver une de la bonne couleur en grilline métallisée. Donc cette calandre, bah, c'est pas tellement compliqué à déposer. Ça tient avec des écrous de 10 comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, je pense qu'il y en a 6. Il y a 6 écrous qui tiennent la calandre. Et logiquement après elle vient toute seule. Parce que là comme ça, c'est pas très joli. Donc je confirme que la calandre bah, tient avec ses 6 petites vis, ses 6 petits écrous de 10. Donc là on va en profiter pour mettre un coup de nettoyant là sur cette partie-là parce que c'est difficilement accessible quand la calandre est montée. Et puis on va remonter la calandre neuve sur la voiture et cette opération sera terminée. Donc tout de suite avec une calandre neuve, bah, ça lui change radicalement l'aspect esthétique. Elle fait tout de suite un peu moins pourri. Pour cette vidéo qui est donc aujourd'hui terminée hein, avec le remplacement du lève-vitre du rétroviseur de la calandre. Donc la prochaine étape va être un lavage complet plus lustrage complet pour lui redonner un peu de vie. Voilà, merci à vous d'être toujours plus nombreux. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter sur le garage PTS sur YouTube, Facebook et Instagram. Merci à vous, à bientôt.